Lorient, c'était pour moi que c'était comme une évidence, parce qu'un peu dans la lignée de 3, voilà, ils prônent un jeu que tout le monde connaît, c'est une équipe très stable qui est en Ligue 1 depuis déjà plus de 10 ans, qui n'a jamais fait l'ascenseur, et je pense que c'est un club parfait pour mon début de carrière, parce que voilà, moi c'est 3 pour moi, c'est un peu ça reste un peu mon club formateur, voilà. Il me fallait un nouveau départ et je pense que ce club est parfait pour franchir les prochains quarts. Après là par rapport à mon arrivée, voilà, j'étais agréablement surpris, même si j'avais aucun doute là-dessus. Il y avait vraiment que des bons gars à tous les niveaux, que ce soit au niveau administratif ou dans l'équipe. J'ai eu l'occasion d'arriver pendant une victoire, donc c'est parfait. Mais même tout le monde est très accueillant et je suis très content d'avoir rejoint le FC Lorient. C'est un joueur qui s'inscrit parfaitement dans la lignée des joueurs de Lorient et beaucoup, une grosse marge de progression qu'il peut faire, mais rien que comme il est déjà, il va déjà beaucoup nous apporter. Donc je pense que c'est le mariage idéal. C'est un club très stable, très sain. En plus de ça, ils m'ont manifesté vraiment de grands intérêts. J'ai beaucoup aimé le discours, que ce soit du président, Monsieur Leroux ou d'autres. J'ai eu le coach aussi qui m'a montré de grands intérêts. Voilà. Ils m'ont présenté un peu la structure et tout de suite, j'ai accroché à ce projet. Voilà. Après, il y avait d'autres clubs, mais voilà, soit le discours, soit le contexte était différent. Et j'ai choisi l'AFC Lorient avec... sans difficulté.